Greetings, here is MX Trucker. We have today a new map, again a new one, working with the grid step, the new grid step version V2 that had just been introduced a few days ago. And this new map is Sibir map. Sibir map was firstly a map working only by itself as a standalone map, and it has been rescaled to 119, and this allowed us to combine it in map combo, and especially with the grid step, as we get here the new grid step V2, and here is a road connection between the grid step and Sibir map, which is going from Chelyabinsk all these roads here till Aktobe, which is there. So the map is not that enormous right now, but it's very, very interesting in the way that it's recreating a true Siberian atmosphere. It's a true Russian map with special roads, special terrain roads at times, many elements that we used to have already in the grid step. It's a very, very interesting map also in the way that we already know which work in progress is existing, and this map will be extended around all this place here around. I won't talk too much, I will let you watch what is Sibir map. I really
could listen to that music, Russian classical music in general, during hours and hours. It's absolutely fantastic. Let's come back to the main topic, map combo with CBR map. Here we get AfroMap 2.2, and you have to open the archive with 7-zip, then manifest.sii file with a text editor. You change 138 by 139, you save, and you can play it. Here is PG Indo beta version assets and models 2. Model 1, Defend Map, and the AfroMap PG Indo Italy Ferry. The grid step model, and this is the new one, version 2, which will connect to CBRMap. Here is map file and def file. Southern region, model 2, model 1, def and map file, and the SR9 textures fix. Here is Volga map, model, map, and def, and you have to make a second unload to replace the map file here in your mod manager. Here we get base mappa IAA 6, mappa IAA, and IAA caps fix to get English city name. Here is rustmap dev package, then promods assets package, package 3, 2, and 1, media package, map package, definition package. Here is the fix for promods 251 and IAA 6. Here is optional mod that I've created, one ferry connection to Europe from IAA, use it if you want. And here is another mod I've created to reach IAA from PG Indo or AfroMap. If you don't use PG Indo or AfroMap, don't load this mod here. Promods Middle East add-on assets package, def and map package, Israel-Lebanon open border, then the Red Sea map, and the road to the Balear that will be soon updated, but till this day, this is the file we get. Project Greenland, then Project Greenland ferry connection with Promod, Poland rebuilding assets, models, map, def, and the optional special transport file. If you don't get special transport DLC, don't load this file in your mod manager. Macedonia rework materials and assets, rework map, rework definition, special transport, also exactly the same case than Poland rebuilding. If you don't get the special transport DLC, there is another file, definitions file, in the zip. Load the one which don't get these 2 liters. Project Balkan assets package, map package, dev package, and Project Balkan English city names. On top of that, we get Macedonia reworks, Poland rebuilding fix. Here is Med map, then Mediterranean expansion, Rust map model 2, model, map, and the file is below promote. Here is SZM add-on, and this is version 2.2. So even if it's written 2.0 here, this is the right file. And there is a fix for SR9, Southern Region, and SZM. Peter Forest map 231, and already famous CBR map model file, and def and map file. Here we get Turkey map ready to play 1-to-1, Southern Region road connection, Middle East add-on road connection, Project Caucasus, and raw extended files. You can use the free or the paid version, the load order is the same. Assets, prefab, model, def map, which is 4-3-2-1. Here is raw extended add-on working with 2.5 and 2.8, but this file here is a road connection to Southern Region V2, working only with the paid 2.8 version of RAW Extended. And this is road connection between RAWX, ProMods,
RossMap and Polyandro Building. This is Universal English Localization File, which is translating city name for GridStep, RossMap, Southern Region, VolgaMap, Projector Key, Roman Extended, Project Caucasus, and written here CyberMap, all names input correctly, by mod other. Latvia 1.26, Podunovia Polska 1.2, Rhodes version 1, Promos Rhodes connection ferry, and Mediterranean expansion Rhodes ferry connection, which is optional also. Paris reading 2.6, Swedish Islands 1.10, specific to Promos, and Tekirdag rebuilt map. On top of that, I'm using ETS2 background specific to Promods, then a crash fix if you experience crash when you zoom on the map, and to zoom on the map 100%, here is full screen world map. Wish that you will enjoy this cyber map and the global map combo in itself. Thanks to give me thumbs up if you appreciated the video, thanks to subscribe to my channel if it's not done. See you very soon. And now the French version. Salutations, c'est MX Trucker. Aujourd'hui encore, nous allons découvrir une nouvelle carte, une nouvelle map, après avoir eu la mise à jour de The GridStep en version V2, donc qui est ici. Nous allons découvrir aujourd'hui la nouvelle carte qui s'appelle CyberMap. Alors je dis nouvelle carte dans la mesure où cette carte n'est pas nouvelle, dans la mesure où elle existe depuis longtemps en version standalone. Elle était à l'échelle 1-1, 1 km réel égale 1 km dans le jeu, mais elle a été convertie à l'échelle 1.19, donc comme le reste des cartes de ETS2, ce qui nous permet aujourd'hui de la combiner dans des maps combo, telles Promods ou Euronet ou MHA Pro, qu'importe, et d'être combinée surtout avec The GridStep, puisque ces deux cartes eh bien, sont reliées ici par une road connection qui est prévue à l'origine. Il n'y a pas de, fichier particulier. Voilà, les deux cartes s'emboîtent l'une dans l'autre. Et CyberMap eh bien, démarre ici tout au nord avec Chelyabinsk pour descendre jusqu'à Aktobe. Mais surtout, ce qui est très intéressant avec cette carte, eh bien, c'est que l'on connaît également déjà les routes à venir, les mises à jour à venir. Et ça promet de donner une carte quand même assez conséquente, puisqu'elle devrait occuper tout l'espace qui est ici, ce qui va nous donner donc pas mal de nouveautés, pas mal de nouvelles routes. Je ne vais pas vous en raconter trop, on va voir tout ça en images. Thank you.
J'adore cette musique, je pourrais l'écouter pendant des heures et d'une manière générale la musique classique russe que j'affectionne tout particulièrement. Mais revenons au sujet de cette vidéo, à savoir le Map Combo avec Cybermap. Tout en bas, nous avons AfroMap en version 2.2. Je rappelle que vous devez ouvrir l'archive avec 7-Zip, ouvrir le fichier manifest.sii avec un éditeur de texte tel que Notepad++ ou Bloc-notes, changer 1.38 par 1.39 en bas de page, sauvegarder, cliquer sur OK et vous pouvez jouer. Pidgeindo Beta Version Assets et Models 2, Assets Models 1, DefaMap File et le AfroMap Pidgeindo Italy Ferry. Ici, nous avons The Grid Step Model. Ne vous fiez pas ici à l'image manquante, c'est un petit bug de mon jeu qui est bien en version 2, donc la toute nouvelle version que j'ai présentée il y a quelques jours. Donc le fichier Model, le fichier Map, Def. Juste au-dessus, nous avons Southern Region Model 2, Model 1 et le Defen Map, avec le fixe pour les textures qui est obligatoire pour faire fonctionner la carte. Volgamap, Model, Map et Def. Et je rappelle que vous devrez faire un second téléchargement pour remplacer le fichier Map dans votre mode manager. Basemapa pour IEE, la carte du Brésil, puis Mapa IEE et le caps fixe pour avoir les noms en anglais. Rusmap, Def package que l'on place sous ProMods. ProMods Assets Package, Package 3, 2, 1, Media Package, Map Package et le Definition Package. IEE ProMods Fix pour faire fonctionner IEE avec ProMods. Ici, c'est une option, c'est un mode que j'ai créé pour avoir un seul ferry allant de IEE vers l'Europe au niveau de Calais. Et ici, un autre mode que j'ai créé pour pouvoir aller vers la carte du Brésil à partir soit de Pidgeindo, soit de AfroMap. Si vous n'utilisez pas ces deux dernières cartes, n'intégrez pas ce mode dans votre mode manager. Le Middle East Add-on Assets Package est juste au-dessus le Defen Map Package avec Israël-Libanon Open Border pour ouvrir la frontière entre ces deux pays, Israël et le Liban. Red Sea Map en version 1.2 et j'espérais la toute nouvelle version de Road to the Balear, mais qui du coup ne sort pas aujourd'hui. Donc pour l'instant, on va se contenter de ce fichier qui est récent hein, de toute façon en version 0.9. Project Greenland suivi de Project Greenland Ferry Connection vers ProMods. Poland Rebuilding Assets Models Map Def. Et ici un fichier spécial transport. Alors chargez ce petit fichier uniquement si vous possédez le DLC spécial transport. Si vous ne l'avez pas, ne chargez pas ce fichier. Macedonia Rework Material and Assets, Rework Map et le Rework Definition ST pour spécial transport. Exactement la même chose que ce fichier-là. Si vous n'avez pas le DLC spécial transport, alors vous trouverez dans l'archive un fichier qui s'appelle Définition et qui n'a pas ces deux petites lettres, alors chargez celui-ci à la place. Project Balkan Assets Package, Map Package, Def Package et le Project Balkan English City Name. Juste au-dessus, nous avons le fixe entre la Macédoine et la Pologne. MedMap en version 1 et le Mediterranean Expansion 1.3. RusMap, modèle 2. Modèle, map, je rappelle que le fichier def est à placer en dessous de ProMod. SZM add-on, qui s'appelle ici version 2.0, mais qui en fait est une nouvelle version 2.2 pour 1.39, suivi d'un petit fixe entre SZM et Southern Region. Peter pour RusMap, et voici la désormais fameuse Cybermap version 2.1.0. Ici il est indiqué 2.0 mais c'est une précédente version, voilà, 2.1.0 suivi juste au-dessus par le fichier MapEDF. Turkey Map en version 1.2.1 ready to play, Turkey Map et Social Region Road Connection, Turkey Map Middle East
Road Connection et le Project Caucasus pour joindre la Turquie vers The Great Steppe. Raw Extended ici en version payante, mais vous pouvez bien évidemment utiliser la version gratuite. L'ordre de chargement est le même, Assets, Prefab, Modèle, Def and Map, ou si vous préférez, 4, 3, 2 et 1. L'add-on de Raw Extended qui fonctionne avec les deux versions, gratuite et payante, 2.5 ou 2.8, et ce petit fichier ici par contre ne fonctionne qu'avec la version payante. C'est une Road Connection entre Raw Extended et Social Region en version V2. Encore une Road Connection entre Raw Extended, toute version 2.5 ou 2.8, ProMods 251, RusMap et Poland Rebuilding. Et ici Universal English Localization qui vient d'être mise à jour et qui permet de traduire les noms de Great Steppe, RusMap, Social Region, VolgaMap, Project Turkey, Romania Extended, Project Caucasus, et manifestement il n'y a pas besoin de traduction pour CyberMap puisque l'auteur a déjà intégré les noms en anglais dans ses fichiers. Nous avons dessus Latvia en version 1.26, Polska Poludnowia en 1.2, Rhodes en version 1, ProMods Rhodes Ferry Connection et Mediterranean Expansion Rhodes Ferry Connection. Tout en haut, nous avons Paris Rebuilt en 2.6, Swedish Islands en version 1.10, spécifique à ProMods, Tekirdag Map, la petite ville, et nous retrouvons le background spécifique à ProMods, le crash fix si vous avez des crashs lorsque vous zoomez sur la carte, et full screen world map pour pouvoir zoomer la carte en plein écran. Voilà, j'espère que vous aurez plaisir à découvrir cette nouvelle carte de Sibir, donc la Sibérie. Merci de m'accorder des pouces positifs pour cette vidéo. Merci également de souscrire à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye.